Poisson, yes, yes, je l'ai. En direct, on l'a vu. On vient de découvrir un endroit sympa, je sais pas si tu vois derrière moi. Donc c'est ce qui ça rejoint le terrain en fait, donc c'était à proximité de chez nous et tu sais quoi, on savait même pas qu'il y avait ça. Et en plus pour sur le marché, il y a une mise à l'eau. Donc cet été, il y aura pas mal de vidéos en flotte ici puisque il y a ces mises à l'eau de bateaux, ouais, et du coup, c'est assez sympa parce qu'on peut accéder facilement. Je connaissais pas. Voilà, des fois, il faut parcourir pour voir des choses. Mais là, du coup, on va tester ce petit lac et on va voir ce qu'il en est. Hein. Bon allez, on a pris les cannes, donc on va essayer de tester, on n'a jamais testé. Et les tortues par contre, on avait des tortues, vous les verrez dans les vidéos je pense. Donc là on va prospecter, on va regarder où est-ce qu'on se met, puis voilà, tu es prête madame? Ah oui, moi toujours. C'est bien, ça fait comme un petit lac en fait, c'est un petit lac. Allez, un truc à sauter là, je crois que c'est gavé de tortues. Et salut à tous! Et coucou! Et bienvenue pour une nouvelle vidéo, on espère que tout serait bien pour notre part, ça va nickel. Super bien. Aujourd'hui on est venu, voilà, on a découvert un petit truc sur Google Maps, il y a un petit endroit qu'on a jamais fait, on n'est jamais venu là d'ailleurs, et pourtant c'est à côté de chez nous. Découvert. C'est à côté du village de Marsac, et donc du coup on est venu aussi parce qu'il y avait une mise à l'eau et on voulait voir aussi pour cet été pouvoir se mettre à l'eau facilement. Oui, pourquoi pas pêcher aussi. Bref, on verra, c'est du poisson. N'oublie pas de mettre le gros pouce bleu et aussi si t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Voilà, donc madame sera avec la canne action, deuxième épisode, et moi avec ma canne et j'essaie de faire au vert de terre, etc. On verra ce qui se passera. Et on n'est pas tout seul. On est là. Voilà, on est avec Cyril pour la deuxième fois, vous le voyez. Vous voyez beaucoup d'abonnés là sur la chaîne, c'est ça qui est bien aussi. On est là aussi pour le partage. Bonne vidéo à tous et au premier fish. Au premier fish. Bon allez les gars, on va monter, on a vu un black bass apparemment, enfin, elle a vu un black bass, voilà, sachant que la dernière fois qu'elle a vu un black bass c'était un gardon qui faisait surface. Vu que ça va être le pré-spawn là, juste avant la keyfraye, donc on va faire un montage tout simple, plomb et un hameçon à carpe là, style carpe, de chez Action encore. D'ailleurs ça va être l'occasion aussi de tester la canne Action une fois de plus, donc je vais pas mettre un gros hameçon. Ce qui est bien, ces petites bottes de chez Action, franchement je vous les conseille, hein. C'est qu'il y a beaucoup d'hameçons différents quoi. Donc ça et des plombs et vers de terre, voilà. Donc je monte ça et c'est parti. Donc là on a pris des dendros gros, il va falloir que je remidifie un petit peu aussi et ça fera le taf pour le black bass. Hein. Donc là sachant que voilà, c'est juste du pré-spawn, on pêche au vert, hein. Pêche pas au leurre non plus, faut pas abuser. Allez, on va prendre l'hameçon carpe, on va y foutre un ver de terre qui pendouille, un peu comme du wakey quoi. Et après on les dendros quoi, comment ça bouge de ouf, voilà comme ça tu vois. On va les laisser là à l'ombre. Voilà, et on va prospecter en faisant tout le tour et madame va faire de la carpe, on va tester un petit peu. Carassé, machin au maïs quoi. Donc voilà, je me suis posé pour pêcher à la carpe avec un maïs et la canne de chez Action. Donc on va voir si ça fait du fish, il me l'a prêté donc j'espère en faire une. Voilà. Bon, on va essayer de pêcher à vue. Mais je sais pas quoi si on les verra quoi, c'est ça le problème. En plus c'est très encombré et je connais pas le spot. J'ai pas trop envie d'accrocher en fait tu vois. Après c'est un risque à prendre quand c'est encombré comme ça. Pêche toute simple au ver de terre. Bon, on va faire le tour où il y a le soleil un peu plus là-bas. On verra la journée, c'est que le début là, c'est que midi. On reste aux aguets de voir si on voit du poisson. Poisson! Yes! 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 Oh, un joli black! Oh là là, qu'il est beau! Oh, il est beau! Oh, un joli black, les gars! On va le drop, mais il est balèze. Oh là 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 là, au vert! Je savais qu'il y avait un poisson, je vous l'avais dit. Magnifique, regardez. Magnifique, au vert, juste au vert.
rester sous la branche là. Ah non, c'est accroché. Joli petit bloc ouvert. Mais je croyais. Hein? Je croyais trop que c'était la tortue. Ah, ça a l'air un peu plus encombré. Ah bien sûr, je suis tombé sur la feuille, tu crois toi? Allez, on va essayer. Ah mais qu'est-ce qu'il a mon fil? Ah ben oui, forcément. Fil qui se vrille quoi. Oh, vous l'avez vu celui-là? Oh, vous l'avez vu en direct? Oh, vous l'avez vu celui-là? Oh, vous l'avez vu en direct? Oh, le monster! Il était encore un. Ah ouais? Je renvoie, je passe à ma ligne là. Je prends contact avec le verre, je le vois à la surface. Et là, je te vois un monster sortir, un truc commence. Il a gobé. Oh, ben ça commence pas mal. Bon, ben, apparemment, il est pas mal le lieu. Moi, je vais essayer encore un peu à la carpe. Et ben, si jamais, je ferai comme lui. Je vais prospecter au vert. Le black bass, voilà. Il y en a un là-bas, en surface. Il y va, il y va, il y va, il y va. Poisson, yes! Yes, je l'ai! En direct, on l'a vu. Oh, il est énorme. Oh! On l'a vu en direct, à la surface. Oh, il est balèze. Oh. Regardez celui-là, les potes. Oh là là, encore ouvert. Énorme fiche. Regardez celui-là. Bon allez, on le remet vite à l'eau. Et c'était le même de tout à l'heure, je pense. On va remettre un petit peu mieux le verre. Parce qu'il prenait cartouche, les verres, heureusement que j'en ai. Oh, on l'a pêché à vue, celui-là, les gars. On l'a fait à vue, quoi. Après, je suis curieux, je vois que derrière, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit trou d'eau, là. Potentiellement, il pourrait y avoir du black. Hein. On va tester. On va y aller tout doucement. Juste devant la buse, là, déjà. Je crois que c'est vachement encombré. Je devrais faire gaffe. Hein. J'aime pas trop pêcher trop loin parce que je vois pas trop ce qui se passe. Hein. On en a fait un à vue, carrément, quoi. Ah, j'ai pris une espèce de truc, là. Hein, je vois pas la surface. Hein. Oh les gars, on en a un qui a vu là. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez. Si j'arrive à jeter comme il faut, parce que j'y crois pas. Oh putain, j'en ai trop loin. Ah, oh, je suis passé par-dessus la branche. Alors, on met vite un verre. On va laisser la boîte là pour l'instant. Le problème, c'est qu'ils me voient, j'ai l'impression qu'ils vont au fond. Et ils sont très très furtifs quoi, parce que j'en ai eu un à gauche qui a sauté aussi. Oh, il y en a un qui est au fond là-bas. Allez, encore un beau fiche pour monsieur là-bas. Bien joué! Oh,
je t'ai vu. Oh, je l'ai vu. Allez, vite. Ah, il s'en va trop vite. Il s'en va trop vite, il a eu peur de moi. Ah non, il va. Il a pris, je crois, non? Ah, il a pas pris. Si? Non, il a même pas pris, l'enfoiré. Ah, c'est un peu heureux, lui. Laisse tomber, c'est mort. Il m'a vu, quoi. Ah, il est là, je le vois juste là. Ah, il est trop loin, il est là-bas, quoi. Ah, il y va. Il est à côté de lui. Il a pris. Yes, j'ai. Ouais, il est beau, celui-là. Oh, bien joué. Oh, il est beau. Oh, merde. Tu veux la... l'épisode, hein? Pime, hein? Ouais. Ah, vraiment, tu me l'as dit, j'avais même pas vu, quoi. Ouais, quoi, il est beau. Attends. Il est beau. Et voilà, ouvert. Ah bah bien joué, c'est bien. Il a bien quand même au fond par contre. Ah, ça s'est écroulé de suite, impec. On va le remettre à l'eau, c'était le dernier je pense. Voilà, j'ai fait les deux. C'est ça. Ah moi j'ai 6. Hein. Ah oui, c'est bon ça. Regarde de terre. Ah bon, bah, de bras des verres. Tranquille. Et avec un hameçon chez Action. En plus, c'est bien. Voilà, c'est fini les potes. Donc voilà, il y a Cyril qui est derrière nous, qui nous avait apporté la petite bière, donc on le remercie chaleureusement. Merci pour la bière et tant pis pour ton capot. Donc ben, ils ont fait capot apparemment au feeder. Ouais, bah, toi tu pêches au feeder, c'est ça, et puis madame la canne action. Bah, j'ai essayé la carpe avec la canne action parce qu'ils nous avaient prêté comme je vous l'ai dit. Et apparemment pas de poisson. Donc du coup moi j'ai enchaîné. Il y avait deux black bass à la fin qui m'énervaient parce qu'ils me narguaient. Et il peut confirmer, je les ai fait tous les deux. Bon, en tout cas on espère que cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude. Bon, petite vidéo courte. Tu peux mettre le pouce bleu, tu peux aussi commenter parce que j'adore regarder les commentaires. Ça. Voilà, on aime bien vous répondre aussi à tous vos commentaires, n'hésitez pas aussi à partager avec vos potes, ça leur fait plaisir. C'était refait là, t'as vu le bon spot, non, il est bon. Non, hein, mais je suis heureux, mais t'as pas idée quoi. J'ai partagé un spot, ah oui, c'est le meilleur du monde. Cool. Allez, on vous dit à la prochaine vidéo, ciao les potes. Salut.